Et bonjour à tous, et nous voici partis aujourd'hui pour un flash info moto sur une moto que je trouve vraiment très sympa. Pourquoi? Parce qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Alors, c'est pas le gros moteur style Harley Davidson, c'est pas un gros flat comme la R18, ce n'est pas une moto surpuissante comme la S1000M1000R de chez BM. Non. Là, on va parler tout simplement de la Royal Enfield 350 classique. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement un monocylindre de 350 cm3 qui va te sortir un 20 chevaux. Il va t'emmener du point A au point B, mais avec classe. On a une vitesse max de 110 km/h. Bah oui, je t'ai dit que c'était pas un foudre de guerre. Mais par contre, t'as une contenance de 13 litres et une consommation qui est donnée pour à peu près 2,5 litres au 100. Autant dire que ça va pas consommer de trop. Ce qui est sympa, c'est que tu vas avoir le choix avec pas mal de coloris. Exemple avec ça, où tu vas avoir le chrome red, que je trouve vraiment sympa. Après, tu as le chrome bronze, alors c'est surtout le dessus qui va être bronze. Derrière ça, tu as le gunmetal gray, un petit gris un peu mat. Derrière, le dark gunmetal, le dark steel black, excuse-moi. Là, ça va être le Alcyon Black, trop compliqué pour moi à dire. Le Alcyon Green, le Alcyon Grey. Et là, on arrive sur les nouveautés avec le Signal March Grey. Et le dernier que je trouve vraiment plus sympa encore, le Desert Sand, qui est très sympa et qui rappelle l'armée. Allez, on en reste là, on se dit très vite pour d'autres flash info moto. Ciao, ciao.